Ok, c'est parti. Bonjour à tous et on se retrouve sur Super Ducks Cards comme d'hab. Donc on est parti pour la suite. Alors on va déjà voir ce que c'est celui-là. Bon l'illustré. Ah ouais. Bon on va le faire. On va essayer. Je vous garantis rien pour le coup parce qu'il est vraiment pas simple. Enfin je le trouve vraiment pas simple disons. Mais voilà, hein, on est des fous. Alors on tente. Ah, il a été refait. Ouh, je sens que je vais aimer. Pardon. Je comprends pas là. Pourquoi un temps de pénalité? J'ai appuyé. En fait, j'avais pas appuyé. Après. Ah, enfin bref. C'est pas grave. On va essayer de gagner malgré tout. J'ai un petit peu changé mes réglages pour pouvoir réussir à vous refaire du son correct. Normalement, ça doit passer. C'est comme je faisais au tout début de MFF. À l'époque je devais faire deux rendus, maintenant je peux en faire un seul puisque je n'utilise plus les mêmes programmes derrière. Et je me suis dit, ça coûte rien d'essayer. Ah, barre-toi. Alors, apparemment je dois... Oh là, je dois juste être premier. Je vois le... Oula, je vois juste le compte... Le temps qui monte. Ah, une fois de plus, j'ai pas regardé. Faut absolument que je m'y mette un peu. À regarder ce qui se passe niveau... Allez, pas mal ça. Faut que j'en mette un petit peu à regarder ce que j'ai comme condition pour gagner parce que je me fais avoir à chaque fois. Ok, voilà. Ça c'est bien, c'est une bonne chose à faire comme virage. Je vais essayer de me faire Beastie, qui est juste là devant. Ah bah... Et voilà, alors c'est ce que je déteste dans cette course là, c'est ces bordures très nettes. Il n'y a aucun moyen de sortir de piste et de t'y remettre en fait. C'est... fonce dans le tas et puis... enfin, c'est pas fonce dans le tas, c'est une question de précision. Alors là, même réussir à être premier. Il me semble qu'il y a eu une évolution, j'avais jamais remarqué le pont, mais... What the hell? Bon après, il n'y a pas à dire, on voit quand même qu'elle est un peu plus ancienne que les autres. Hein. Allez, on va activer ça. Juste pour casser les pieds. Voilà, alors c'est lui que je veux avoir. Voilà, ça c'est excellent. Voilà, et ça alors, pour le coup, on se fait totalement avoir. Ça fait vraiment un bail, hein. Celle-là, que j'ai pas joué parce que je la trouvais pas super belle par rapport à d'autres. Mais... Oh, punaise. Mais je pense qu'elle va... Vraisemblablement, je pense que ça serait assez logique qu'elle soit refaite bientôt. Tac. Bon, après, c'est pas grave, hein. Ce qui compte avant tout, c'est... La course elle-même. Allez. Je veux la gagner. J'ai dit je veux la gagner. Alors ça c'est excellent d'avoir les... D'avoir les balles là. Surtout si on arrive à les utiliser correctement. Est-ce que je vais réussir à choper ce Beastie? J'aimerais bien en tout cas. Ah peut-être. Allez. Loupé. Alors pour le coup... L'IA joue vraiment très bien et je me fais avoir. Bon bah tant pis. Tant pis, ça arrive. Hein. C'est de loin pas la première que je loupe. Bon bah je vais partir sur une autre. On reviendra sur celle-là quand on n'aura plus le temps. Parce que c'est pas une course que je suis très fan. Donc là. Ah YMG qui m'avait dit qu'il avait eu des sueurs froides, donc voyons. Loupé. Ah bah on peut essayer le Grand Prix hors des sentiers battus. C'est une bonne idée, on fera ça juste après. D'abord on va aller ouvrir cette petite piste toute seule là-bas qui pleure. Voilà, celle-là. En plus c'est une piste de débutant. Sans doute, puisqu'elle a 0 points. Mais je sais plus quelle c'est. Ah oui, celle-là, la mare de Nessie qui est toujours aussi magnifique. Et que j'ai réussi à planter magnifiquement la dernière fois que j'ai essayé de la faire. Alors je vais essayer de me concentrer un petit peu, je parle d'essayer, essayer. Cette fois je vais réussir. Tout ça pour la gagner, parce qu'il n'y a pas de raison. Et en plus la musique est sublime pour le coup. Allez, et il en a encore un troisième, ça c'est vachement dommage, je suis juste devant. Il m'a lancé un cheesecake, enfin un gâteau là. Il s'est loupé. J'ai eu très peur en fait qu'il me le relance droit derrière.
Alors, tac. Voilà, on chope les boosters. Logique. Ah, j'ai loupé la nitro. Tant pis. Ok, alors je vais garder en réserve mon petit chewing-gum là. Parce que je suis déjà bien en avance sur les autres. Donc si j'entends une bouboule, j'hésite pas. Parce qu'il faut savoir que le chewing-gum, en tout cas dans une version précédente, je sais pas où ça en est maintenant, il protégeait de la balle de basket uniquement pendant un temps donné. Et après ça, il existait toujours, il protégeait toujours des autres choses, mais plus de ça. Oh là. Voilà, normalement c'est comme ça qu'elle se passe cette course. C'est-à-dire, on distancie l'ordi et après on les laisse s'entretuer et on prend de l'avance. Pour moi, c'est là que. Là, ça se passe comme ça aurait dû l'autre fois. Voilà, on passe à côté du chewing-gum, c'est bien. Il n'y a pas de balle à l'horizon, tout va bien. Alors, virage à gauche. Tac, dernier tour. Bon, ça aurait été une lettre à la poste finalement, celle-là. Si on regarde sur la carte, on voit qu'il y a Wilbur qui est donc la mascotte de Gimp, qui est très en retard. C'est assez marrant des fois. Pourtant, normalement, toutes les cartes se comportent à peu près de la même manière, puisque c'est la même intelligence qui les dirige. Mais bon, peut-être qu'il s'est pris plusieurs coups de la figure. Ah, c'est. Je me suis planté, bon, c'est pas grave, hein. On a tout le temps. Là, c'est du tourisme pour le coup. Ah bah ça fera un bon titre d'épisode ça, tiens. Le tourisme chez Nessie. Ok. Et voilà. Bon. Easy going. Rien à déclarer. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a ouvert du nouveau matériel? Oh que oui. Alors, Grand Paradiso. Ah, cette nouvelle course qui est magnifique. Et la Vallée Luxuriante qui est une autre piste absolument magnifique. Alors ça fait très plaisir de les voir les deux libérés. Oui, je sais déjà qu'elles sont magnifiques puisque j'ai déjà beaucoup joué à Super Truck Kart auparavant. Et concernant Grand Paradiso, qui est sur cette version seulement, il n'y avait pas avant, c'est une piste que je connais puisque j'y ai déjà joué en copiant toutes mes pistes sur mon ordi, c'est un petit trick. Je crois que j'en ai déjà parlé une fois ou l'autre. Bon, alors se planter. Pour accéder, c'est pas mal. Alors on va aller voir celle-là, ensuite on fera un petit grand prix. Pardon. Explique-moi. D'où je me fais reset. Voilà, merci. L'île Grande Paradiso. J'espérais bien que c'était ici. Eh ben j'ai bien raison. Alors, celle-là elle est magnifique, en plus elle s'inspire d'une vraie île, je ne sais plus laquelle, où il y a un aéroport qui est vraiment droit au bord de l'eau. Oula, petit bug graphique. Et du coup, on voit les avions qui vont limite se poser sur la plage. Voilà, exactement comme ce que vous voyez en ce moment. C'est assez top. Et la musique au steel drum, c'est très sympa. Donc le steel drum, c'est ces instruments un peu à base de tonneaux, de demi-tonneaux à l'origine. Et qui chantent bah, exactement comme ce qu'on entend là. Alors ça c'est top, on va récupérer ça, merci. Voilà. Alors je crois qu'il y a aussi des raccourcis sur celle-là. J'avoue que je ne les connais pas. Et là il y a des gens qui doivent dire Eh mais moi je sais! Puis ils doivent être très malheureux. Mais c'est pas grave. Ah! Oh là 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 là! Je fais n'importe quoi. Oh my! Comment oses-tu? Mais what? Mais c'est bon bien l'acharnement thérapeutique là. C'est bon, j'ai compris, j'ai pas le droit de la gagner. Eh ben j'ai pas le droit, je vais le prendre, voilà. Alors pour le coup on est sur cette grande zone plate là, ça permet éventuellement de distancer pas mal les autres. Waouh, mais tue-toi toi-même. Tac, je vais essayer d'en choper un. Voilà, comme ça je refile ma bombe. Ça en fera un de moins. Ensuite, on va récupérer son flux d'air à lui. Ok, étincelle rouge. On démarre. Et cette fois, je ne me plante pas dans ce virage. Comme je l'ai fait tout à l'heure.
Allez, boum. Merci beaucoup à l'IA qui a lancé. Ah! Bah, je me plante pas sur ce virage, je me plante sur le suivant. C'est un peu genre. Ouais, vas-y, loupe-toi. Ok, dernier tour. Alors là, on s'ennuie pas. On prend les devants. Cette fois, j'ai plus le droit à l'erreur. On va se protéger un coup. Il faut vous protéger, les enfants. Achetez des capotes. Ah, il y a un petit bruit derrière moi qui me dit que je vais faire boum. Eh ben, ça a pas fait boum comme j'espérais. Ou comme je. Mais comment il a fait, lui? Ah. What? Oh non! Oh non! Alors, ça, c'est pas de bol. Bon, j'ai pas le timing exact en tête, mais je me suis fait avoir. Bah, je pense que justement, il a dû prendre le raccourci. Allez, boum! Laisse-moi passer devant! Je veux. Non! Non! Ah là là! Ah, il ne me courant devant! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ok, c'était totalement épiquement pourri. Je crois que pour me réconcilier avec moi-même, je vais être obligé de faire ce grand prix. Alors. Tac. Et puis les autres, je pense qu'on les restera plus tard. Le grand prix, il me fait pas peur. Je dois dire qu'il me fait pas peur. Je n'ai pas peur. Ah, j'ai peur. Oui, chargement. Chargement. Pourquoi charge-t-il? Combien de temps va-t-il charger? Ah. Ah, ça cause cette piste-là, ok. Alors pour le coup, le cacao, on le connaît déjà. Mais c'est pas grave, hein. Elle est tellement belle. Moi, franchement, je pourrais rester des heures. Alors j'espère que pour vous aussi, mais je pourrais tourner des heures sur cette piste. Parce que je la trouve absolument magique. Alors vraiment, elle est intelligente, elle est niveau tracé. Elle est magnifique d'un point de vue visuel. Et puis. Oh non! Mais oui, boum! Vas-y, boum! Fais-moi péter, c'est bien. Ah, il y en a encore un troisième. Il en avait lancé deux. Bon, allez. Que le premier disparaisse. Et voilà, vas-y, pique-moi mon gâteau, pas de problème. Mon gâteau, mon. Oui, pourquoi pas? Je voulais mon gâteau, ouais. C'était un gâteau. Et je l'ai pas eu. J'ai décidé. Ok. Ah. Oh non. Ah, j'ai juste. J'ai assez d'appeler l'oiseau, j'ai juste pas appelé assez vite. Allez, on est reparti. Je vous jure que je gagnerai ce grand prix. Voilà, la navette spatiale a atterri, merci beaucoup. Olé! Comme il vient de me louper. Mais vas-y! Enlève pas les parachutes, y a pas de problème, je vais les garder. Ça fait joli. Ok. Alors j'ai pas trop compris ce qui s'est passé pour le coup. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que ça a pas fait boum. Alors là, on va faire un truc drôle. On va faire comme ça, tac. Et puis il y en a un qui va péter avec un peu de chance. Ou alors, allez, vas-y, on peut s'arrêter un coup. Oui, on peut faire une escale. Hein, on était trop loin. Non, mais sérieux. Tu m'auras pas, Yumi. J'ai dit que tu m'auras pas. Avec un peu de chance, un petit booster. Ah non, pas de chance. Regarde le machin qui pète en l'air, je sais pas où ça atterrit du coup. Voilà. Bon, bah au moins, on s'est fait 11 points. On se fait plaisir, c'est bien. On est premier. Oh, puis maintenant, on va sur la plus belle du monde. Ça fait plaisir.
Voilà, et du coup je suis en pole position puisque j'étais le... What? Tant de pénalités? Faut que j'arrête de parler. Ça m'arrive jamais quand je suis tout seul puis que je suis pas avec vous. Ah donc c'est celle-là où il y avait Tux dans les anciennes versions qui... Ouais. Dans les anciennes versions, il y avait Tux qui se baladait. Qui se baladait dans le ciel. Elle a été... Et en fait, c'était une piste qui se déroulait de jour. Mais de nuit, elle est vachement plus sympa encore. Faut dire aussi que des jolies improvements. Oui, bien. Des jolies améliorations sur le graphisme. Mais alors, du coup, vraiment, je la trouve magique. Enfin, je sais pas ce que je dois... Le truc dont je dois le plus chanter les louanges dans l'histoire. Parce que les graphismes sont... Oh mince, je viens de louper une belle occasion. Les graphismes sont top, la musique est très sympa. Enfin voilà. Ça pour moi, ça serait tout à fait compatible avec un jeu commercial. Tac. Allez. Mais moi je veux pas des boules de paix, machin, ça sert à rien ça. Oh non, mais sérieux. Bon, peut-être j'en aurai un. Ah oui, j'en ai eu un. Ah. Oui, alors je l'ai entendu arriver, donc... moi quand j'entends arriver, j'appelle Thunderbird, il me sauve la vie. Mais ça c'est plus facile quand on est en multi parce que... Oh non, mais t'es sérieux? Bon, allez, on est parti. Mais oui, boum! Vas-y! Vas-y, boum! Oh! Non, mais sérieusement, il y a tout qui est fait pour que je la gagne pas. Ce sera comme la dernière fois. Si je la gagne, c'est à la ramasse. C'est à la dernière. C'est les 10 dernières millisecondes. Eh ben non. Oh mon dieu. Bon, je pense que... Ouais, voilà, Beastie n'était de loin pas promis, donc je garde ma pole position. Mais c'est un tout petit peu embêtant pour la suite. Enfin, on va voir sur l'Hacienda. Makati. On va voir Mathico. Voilà. Ah, il faut savoir un truc aussi sympa, c'est que si on démarre assez vite, tiens, si on démarre assez vite, on a un bonus de vitesse, on a un bonus d'accélération au premier démarrage. Voilà, on en refait péter un, on est content. Oh. Allez. Zou. Ah bah c'est là que je m'étais fait l'aller-retour avec une bouboule. Où j'avais lancé, je m'étais touché après. Voilà. Ça c'est bien. On a un gros nitro. Gros nitro pour grosse vitesse. Et du coup, bah à nouveau c'est une partie de plaisir. Hein. Yep. Ils sont tellement loin derrière. Allez, boum. D'ailleurs, le mode expert maintenant... Pendant longtemps était le mode le plus difficile pour jouer. Et ça, ça a été changé en 0.8 si je me souviens bien. Ou 0.7.3 peut-être même. Il y a un mode Super Tux qui a été ajouté. Le but étant de rendre les choses plus difficiles. Je crois pas que c'est. Je crois pas qu'il y ait de cheat, mais. Mais enfin l'IA est vraiment hyper coriace et je crois que ça va un tout petit peu plus vite encore. Mais j'ai quasiment jamais, jamais joué au Super Tux. Parce qu'en multi, avec les potes, c'est pas. Ils arrivent tout simplement pas, donc ça sert à rien. Et en ce qui me concerne. Ben tout seul, je jouais peu, on va dire. Jusqu'à ce let's play. Boum boum boum. Allez, on est parti. Mais yeah. What? Ah non, pourquoi je regarde derrière moi?
Hashtag gros boulet, j'ai entendu la bouboule et je me suis... Je voulais me protéger et j'ai voulu regarder en même temps où elle était. Allez, on essaie d'esquiver. Eh ben non. Esquive loupée. On accélère. C'est pas grave. Et ce qui est drôle, c'est que le mode super tux, du coup, je pense c'est un cran trop pour moi pour l'instant. Et en fait, j'ai discuté avec MG sur ça. Et il m'a dit ah, mais pour moi, je me promène. Enfin bon. Non, il m'a dit je me promène si je suis un expert. Et puis au super tux, ça devient un petit peu plus intéressant. Voilà, donc on a 15 points d'avance. Dans l'absolu, on peut même finir une fois dernier. Hein. Y a pas de problème. Je vais essayer de faire un petit peu mieux que ça quand même, mais on verra parce que le jardin zen est une belle vacherie. Voilà. C'est sur celle-là qu'on avait joué la dernière fois et on n'avait pas les cadeaux puisque c'était en jeu 10 contre la montre où c'est juste la vitesse en fait. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est une piste de pilotage. Il faut vraiment... Voilà, ça... Ça se joue au pilotage, ça joue pas tellement au... Enfin, ça joue aussi aux items, mais... What? Oh, le cheatage! Oh non, mais sérieusement, là. T'as pas le droit, tiens. Bah oui, tic-tac, tic-tac. Mais bien sûr, tic-tac. Alors, boum, boum, boum. Voilà, parce qu'il y a ces grands virages assez serrés avec les parois à côté. Alors, je vais pas lui lancer mon cheesecake, je préférerais... What? Non mais, sale, sale. Toi, tu dégages. Pas déconner non plus. Voilà. Personne ne peut rien me faire. Ah, bah maintenant oui. Oui, ça c'est une excellente chose. Allez, on les envoie derrière. Ça touchera peut-être un, avec un peu de chance. Et on se blinde. Mais, barre-toi. Sale, sale, va te laver. Tiens. Allez, ça a pris un débouchet dans la figure du coup. Ça le ralentit un peu. Mais il y a combien de tours dans cette fumisterie? Là, il y en a 4. Arrêtez de me faire souffrir! Je suis premier! Je veux rester premier! Allez, étincelle rouge. Non, je les aurais pas. Oh pu! Oh pu, comme on dit. Ça sent pas bon, ça pue. Oh pu. J'ai rien dit d'autre. Ouais, alors c'est pas passé loin. Hein. Avec le tox derrière là. Enfin, on est bon, tout va bien, la vie est belle. Ok. Alors, 41 points. Bon, bah voilà. Du coup, le deuxième est à 22, donc il monte à 33 points maximum. Mais je crois que c'est la dernière course. Donc, ça va aller. Là, celle-là, on se promène, on s'amuse. Ouais. Et un truc que je me réjouis de voir, c'est s'il y a des musiques d'STK qui sont copyrightées, soi-disant. J'ai déjà eu ce problème sur la première intro que j'avais faite où j'ai reçu une violation de copyright sur de YouTube hein. Mais bien sûr je veux dire c'est un jeu qui est sous licence libre hein, donc si on dit d'où ça vient et tout on en fait un peu ce qu'on veut normalement, en tout cas c'est comme ça que je conçois une licence libre, mais apparemment il y avait de la musique sous copyright et utilisée dans STK, enfin j'ai pas très compris. Et le truc le plus étonnant, c'est que ça a été... comment ? Et j'ai contesté, donc j'ai contesté la violation de copyright, et en fait, ils m'ont dit... ils ont renoncé tout de suite à la poursuite. C'est genre, ah ouais, en fait, t'as raison. Mais du coup, il y a un sérieux souci avec, avec ça, si on déclare positif alors que c'est absolument pas possible. Mais bon, voilà, les algorithmes sont ce qu'ils sont, hein. Et chez Google, ça rigole pas avec les copyrights. Parce que ils veulent les sous. Ah bah, ils veulent surtout pas se faire traîner en justice par les grands majors. Et j'avais un truc, même... Il semble qu'il y ait des compagnies qui soient spécialisées maintenant dans le
le dépôt de copyright totalement impossible sur les droits audio, vidéo. Il semblerait, d'après ce que j'avais entendu dire, que les ronronnements de chat, par exemple, sont sous copyright. Et que si je publie des ronronnements d'un chat que j'ai enregistré moi, eh ben, je peux me faire attaquer pour violation de licence. Et du coup, ça veut dire aussi que la vidéo peut rester sur YouTube, mais pendant ce temps-là, on n'a plus de. Mais elle reste sur YouTube, mais tous les revenus éventuels de la pub vont pour le possesseur des copyrights. Même si sa propriété fait 5% de la vidéo. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est comme ça. Ok, on va continuer. Ah, bah c'est fini. Ok, super. J'ai complété un accomplissement. J'ai complété le Grand Prix. Regardez les belles herbes folles qui dansent. Que c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, le manoir de la colline noire est STK Enterprise. Donc, le manoir dans la colline noire, ce serait un peu une piste spéciale Halloween. Et puis, STK Enterprise, c'est un vaisseau spatial. Et les deux pistes sont relativement sombres, comme on peut le voir sur les deux mini-aperçus qu'on a là. Mais ce sera pour une autre fois, puisque pour aujourd'hui, c'est fini. À très bientôt, les amis. Je me réjouis de vous retrouver.